Flamme de l'irréel, une émission qui vous fait découvrir les dimensions inimaginables et spirituelles de l'homme. Amis téléspectateurs de Prime News TV, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission La Flamme de l'irréel. Il faut noter que sur 12 mois que compte l'année, le mois d'août est le mois le plus craintif, compte tenu des réalités socioculturelles difficiles auxquelles les humains sont exposés. Aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec Maître Rabitan, initié à la communication des astres. Nous pensons qu'il est bien placé pour nous entretenir sur le thème. Maître Rabitan, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, pourquoi est-ce que dans le mois d'août, on note beaucoup plus d'affluence de cas de maladie, la présence des malades dans les hôpitaux, des situations socioculturelles aussi difficiles pour les hommes que nous sommes? Merci, nous vous remercions infiniment d'avoir fait cette remarque pertinente. Vous devez savoir que le mois d'août, déjà, c'est le 8e mois de l'année. Et nos grands-parents appelaient ce mois Avivosson, c'est-à-dire le mois de la fraîcheur. Ce n'est pas pour rien. Vous devez savoir aussi que c'est un moment très crucial pour les attaques spirituelles. Pourquoi les attaques spirituelles? Parce que c'est une période favorable pour la récolte de liant. Liant, vous devez savoir que c'est un tubercule qui a une vibration spirituelle élevée, pour ceux qui ne le savent pas. Déjà, quand nous prenons tout ce qui est végétal, liant est de nature végétale. Quand nous parlons de la sorcellerie, le sorcier qui prend le corps éthérique de l'homme ne peut que le transformer en un animal. Quand je dis animal, ça peut être même un poisson. Mais quand nous prenons le côté végétal, ce n'est que l'iam qui a cette vertu. Ce n'est que l'iam seul qui a cette vertu. Le sorcier ne peut pas transformer quelqu'un en manioc, quelqu'un en papaye, quelqu'un en orange. Rien de végétal, rien. La seule espèce qui a la même vertu que le corps éthérique de l'homme, c'est l'iam. Parce que vous devez savoir et constater que quand l'iam est semé ou bien l'iam est planté, pour la récolter, ça fait 9 mois. L'homme fait 9 mois également dans le ventre de sa mère. Donc, c'est pour ça que cette période est très sensible pour l'humain que nous sommes. Il profite de cette situation pour attaquer les hommes, pour les transformer en liam, parce qu'eux aussi se disent, bon, c'est le moment maintenant de manger liam, la nouvelle liam qui est sortie. Mais pour manger la nouvelle liam qui est sortie, le sorcier ne va quand même pas trimballer liam sur le plan astral. Ce n'est que le corps éthérique de l'homme qu'on amène là-bas, qu'on transforme en liam et qu'on mange. Le fait de d'épeler liam, quand on épelle liam et on laisse, la fraîcheur prend ça. Et c'est en ce temps que l'humain que nous sommes, nous ne commençons pas à grelotter. Vous ne commencez pas à grelotter ici. La même personne qui est en train de grelotter, quelques instants ou bien quelques jours après, ne commence pas à chauffer. Parce qu'en ce moment, on vous a déjà mis sur le feu. Oui. Vous voyez? Il y a une évolution des mots qui le ressentent. C'est ça. Et vous ne commencez pas à ressentir encore autre chose. Et maintenant là, c'est la fièvre atroce. Et quelques jours après, on apprend le décès de ce dernier. Donc nous devons savoir que c'est un mois très sensible. C'est un mois qui amène beaucoup de maladies et ces maladies sont souvent d'ordre spirituel. C'est vrai que nous n'allons pas oublier, nous n'allons pas négliger le côté médical, nous n'allons pas négliger le côté physique, mais le côté spirituel s'y mêle rapidement parce que ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on doute d'eux, qui n'aiment pas qu'on les soupçonne, qui n'aiment pas qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils profitent de cette période où on dit oui, c'est une période très favorable pour les maladies. Eux aussi, ils en profitent en même temps et pour rien du tout. Vous allez entendre, telle personne est décédée, telle personne est partie, telle personne a eu ci, telle personne a eu un accident de circulation. Et si vous faites vraiment attention, vous allez commencer que les graves accidents de circulation commencent en août jusqu'à aller en décembre et traverser le mois de décembre pour rentrer dans la nouvelle année. Et beaucoup disent non, que Dieu est en train de faire des bilans, ce n'est pas ça. Vous devez savoir que c'est une période très favorable pour eux pour attaquer. Déjà, même la fois dernière, j'ai déjà annoncé, le 24 juillet passé, c'était la veille de la première pleine lune. La première pleine lune qui nous amène dans le mois d'août.
À chaque fois qu'il a une pleine lune, si c'est la première pleine lune qui amène dans le mois d'août ou bien la première pleine lune dans le mois d'août, c'est en ce moment que ces méchants, ces sorciers changent de grade. Changent de grade. C'est-à-dire qu'ils deviennent encore plus performants. Et c'est en ce moment qu'on présente les nouveaux recrues. On les attribue de nouveaux noms. Et ceux-là aussi maintenant sont mis au travail pour commencer par créer des victimes. Donc, nous devons savoir tout simplement que la période avant août, il faut commencer par se protéger. Il faut commencer par prendre les dispositions spirituelles pour que le sorcier ne profite pas de cette fraîcheur pour vous éliminer. Alors, il faut noter que l'ignorance a déjà tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous entretenir pour nous sortir en quelque sorte, sortir nos amis téléspectateurs de l'ignorance, parce que le mois d'août a été toujours un mois qui crée beaucoup de victimes sur le plan spirituel, comme vous venez de le dire. Et vous avez noté avec nous que l'IAM a une vertu aussi, une réalité spirituelle qui favorise la chose. Est-ce qu'il y a une protection autrement qu'on peut faire? Manger l'IAM, d'accord, cultiver l'IAM autrement pour que ça ne tombe pas sur la période du mois d'août et cela pourrait changer quelque chose. Je ne pense pas qu'on puisse encore changer. Ce que nous allons changer, c'est changer nos habitudes. Changer nos habitudes, c'est chercher à nous protéger. C'est de savoir que la sorcellerie a la même durée que la terre. La sorcellerie a la même durée que la terre. C'est-à-dire que tant que la terre existe, la sorcellerie existera. Donc chacun de nous, protégeons-nous. Nous nous disons non, il n'y a rien de tout ça. Si c'est pour prier, prier. Si c'est pour utiliser des trucs spirituels, des produits spirituels, il faut le faire sans arrière-pensée. Mais sinon, on dit maintenant que non, on va changer maintenant la période de semences de l'IAM et changer aussi sa période de récolte. Je crois que ça ne serait plus possible parce qu'il a une période pour semer, il a une période pour récolter et il a cette période qui est favorable pour la récolte de l'IAM. D'accord. Est-ce que en termes de conseils pour la protection des humains? Il y a des pratiques. Je viens de parler de la prière. La prière aussi a sa force. Mais si la prière a sa force, les chrétiens, moi je leur dirais que déjà à l'approche du mois d'août, ou bien même chaque fois en voulant se coucher, ils n'ont qu'à lire le psaume 91. Même si vous ratez les mardis nuit et les vendredis nuit, ne ratez pas. Le psaume 91 est très puissant pour se protéger. D'accord? Maintenant, pour prier le psaume 91, il faut connaître aussi son signe. Parce que nous avons quatre et différents signes, c'est-à-dire quatre catégories. Si c'est le feu, en voulant prier, il faut allumer une bougie pour que vous ayez le feu pour prier. Si c'est vous êtes du signe d'eau, en voulant prier, prenez un verre d'eau, vous priez là-dessus, vous finissez de prier, vous buvez. Si vous êtes un signe d'air, en voulant prier, essayez d'être en contact direct avec l'air. Vous ouvrez votre porte, vous ouvrez votre fenêtre, vous pouvez rester à l'entrée de votre fenêtre pour prier. Et si vous êtes un signe de terre, en voulant prier, restez debout. Les pieds nus, debout, sur la terre, et vous priez. Vous voyez? C'est des techniques spirituelles qui permettent à ce que vous êtes en train de demander se réalise. Sinon, il y a des gens qui vont te dire, oui, moi, je lis toujours le son 91, mais pourtant, c'est la même chose qui m'arrive. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les conditions. D'accord? Il faut connaître les conditions dans lesquelles il faut rester selon ces conditions que je viens de donner. Si c'est un musulman, il n'a qu'à lire la sourate 114. C'est une sourate très efficace pour la protection. D'accord? Maintenant, pour ceux qui quand même croient à la spiritualité, il a des produits que vous pouvez utiliser, il a des trucs que vous pouvez utiliser pour vous protéger des feuilles, d'accord? Vous prenez par exemple la feuille d'hysope, en voulant prendre, vous allez voir que quand vous prenez une petite branchette de la feuille d'hysope, il a toujours une qui est au milieu ici, d'accord? Celle qui est au milieu ici, ça veut dire que c'est la feuille d'hysope mâle. La femelle, vous allez voir qu'il n'a pas, il n'a aucune feuille au milieu. Elles iront comme ça, mais il n'a rien au milieu. Donc, vous cherchez la feuille d'hysope mâle dans la, et sur la branchette où vous allez voir une qui est au milieu. En haut. C'est ça que vous cueillez. Quand vous cueillez ça, vous prenez quoi? Vous prenez une graine de piment de Guinée. Attaquons. Une graine. La nuit, tout nu, vous restez tout nu, vous mettez la graine sur la feuille. Vous pliez, vous mettez dans la bouche, vous mangez. Le sorcier ne peut pas vous transformer en lion, n'est-ce pas? Le sorcier ne peut pas vous transformer en lion.
Ça, ce sont des vertus de Dieu. C'est Dieu qui a donné les feuilles. Tout ce que je viens de dire maintenant, qu'est-ce qu'on a, on a tué de coq? Non. Est-ce qu'on a tué de poule? Est-ce qu'on a tué quelque chose? Rien. Mais vous, vous protégez. D'accord? Je demanderai à nos frères et sœurs de ne pas se négliger. Parce que la négligence gagne beaucoup de cœur. Et on nous dit non, et rien n'est, il n'a pas la sorcellerie, il n'a pas les... Les mauvais esprits existent toujours. La sorcellerie existe toujours. Et nous devons savoir que aujourd'hui, quand vous prenez 100 personnes qui décèdent, si vous prenez 100 personnes qui décèdent, il faut savoir que près de 60 ne sont pas décédées naturellement. Parce que eux aussi, ils prennent de l'ampleur. Ils cherchent à se cultiver. Vous voyez, à chaque fois qu'il a d'évolution, ils aussi cherchent d'évolution. À chaque fois qu'ils vous faites des produits, ils aussi cherchent des produits pour vous contrecarrer. Donc, à tout moment, il faut chercher à se protéger pour pouvoir vivre mieux. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné tout ce qu'il nous faut. À nous de nous débrouiller, à nous de nous protéger. Sinon, quand vous êtes là, vous dites Dieu fera, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse encore? Il vous a déjà donné la grâce, il vous a donné la vie. Effectivement. Mais quand vous avez la vie, il faut la protéger. N'attendez plus Dieu, parce qu'il vous a déjà donné toutes les techniques spirituelles pour vous protéger. Sinon, Dieu serait là, mais le sorcier viendra vous chercher. Mes chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, vous l'avez entendu, initié à la communication des astres, comme je l'ai dit, Maître Rabitan nous a expliqué pourquoi est-ce que le mois d'août est le mois le plus craintif sur les 12 mois que compte l'année. Vous êtes des êtres humains. Dieu a créé également des remèdes, des astuces, des réalités qui pourraient vous protéger contre la sorcellerie. La sorcellerie est à la base de toutes ces réalités socioculturelles difficiles que nous observons tout au long du mois d'août. Ça n'a fait que commencer, parce que tout à l'heure vous avez entendu l'astrologue le dit, ça a commencé en août, ça va traverser tous les mois qui restent tout au long de l'année et ça va nous conduire à travers décembre jusqu'à la nouvelle année. Portez-vous bien tout en vous protégeant et à bientôt.